Gros gros, ils arrivent. De qui je parle? Vous allez voir. C'est très très vite comprendre. On va dans They Are Coming. Un jeu qui, bien entendu, aura beaucoup de vers. Alors, je vous résume le jeu. Je l'ai repéré parce que je me suis dit. Fait longtemps que j'ai pas joué à Carrion. Et hop, je tombe sur ça. Et ça propose quoi? Ça propose d'être les bad boys du jeu. Oui, parce qu'on va être des hordes de zombies qui vont vite se répandre sur la map et se charger de contaminer tout le monde et les convertir à la cause. Gros Grom, zombies. Bon, les commandes, on les indiquera bien à temps, je pense. Oui, c'est encore une histoire de Zina. Ça, c'est moi. Et je sais très bien ce que je fais là. Je suis mort, j'ai été mordu, bouffé à moitié par des zombies. Et maintenant, j'en suis à mon tour. Ah, je remonte encore le son parce que ça va pas le faire. Allez, go! Donc, à chaque fois que je touche un collègue, eh ben, je le rallie à ma cause en lui faisant faire. Voilà, et à la base, c'est pas des collègues, non, c'est des gens vivants, mais ils vont devenir zombies, ils le savaient pas, c'est tout. Viens là, toi. Donc, foncièrement, je voulais jouer à Carrion, je joue à ça, c'est pas un mal. Vous avez saisi le point commun. Les humains, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme les Pokémon, on va tous les bouffer. Et là, ça commence à faire du monde. Alors moi, ma grande curiosité, quand j'ai vu les premiers screens de ce jeu, je me suis dit, va falloir voir le rendu quand on sera avec une grosse foule. Ça peut être marrant. Et du coup, oui, je disais avant qu'on me tire dessus, une grosse foule à manipuler. Ah, j'ai un chrono quand même, faut que je fasse gaffe. Et ça peut être rigolo. Bon, pour l'instant, c'est géré un peu basique, on va dire. Mais le jeu a du gameplay derrière, sûrement, puisqu'il va falloir que ma horde, qui ne cesse de grandir, je la gère avec parcimonie, mine de rien, puisqu'il y aura des obstacles dans lesquels il y aura des sacrifices forcément nécessaires. On va se faire tirer dessus, pas forcément avec de la carabine, mais peut-être avec du plus gros. Et je vais où, les filles? Ok. Non, j'ai compris. Je vérifie si vous suivez. Et donc, du coup, ma horde, va falloir que, oui, je l'augmente d'une certaine manière. Au bout d'un moment, il y aura peut-être une partie micro-gestion, allez savoir. Bidon. Ah, il y en a un là. Hé, hey, gars, tu sais pas où c'est que je dois aller? Il s'est fait avoir. J'ai pris le feu, c'est rigolo, mis de l'eau. Voilà. Il y a une logique, il y a une logique. On y arrive, on y arrive. Oui, vous l'avez hanté à chier aujourd'hui. Il n'y a pas une touche pour rusher, ça serait sympa. Lui, il est trop contre le bord, quoi. Il me faisait de la peine. Allô? Non. La résistance est utile, les gars, hein, vous avez compris? Alors attention avec oui, des endroits où on peut cramer. Et quand vous vous mettez à cramer, bah, essayez de trouver de la flotte le plus rapidement possible. Mais vous pouvez aussi utiliser le feu à votre avantage. En prenant feu et en vous rapprochant des barils explosifs. Ta 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 ta. On va falloir gérer ça, c'est bien ça. J'ai mal exprimé, ok. Mais vous avez très bien compris. Une flaque, ok. Des bonhommes, du feu, des barils. On essaye, hein, histoire de dire qu'on a compris. Hop, capot. Voilà. Ok, on a compris la manie. Mais nous, on est là pour foncer dans le tas. On a fait du rugby quand on était petit. C'est normal, ça laisse des traces. De crampons, surtout sur le front. Trêve de bêtises. Where should I go? Du gauche, tout. Ok. Courez pas, les gars, ça va nous essouffler, nous. Et je vous rappelle qu'on respire pas.
Calmos. On a perdu des potes, mais c'est pas grave. Ils sont pas très malins quand ils sont derrière un obstacle. Regardez-moi ce tas de nouilles, là. Donc ça, ça va me porter préjudice pendant la partie. Il va falloir que je fasse un peu gaffe, je pense. Action. Ça, c'est toujours moi et je suis toujours mort. Ah, ça tombe bien, je vais monter cette voiture, elle me plaît bien. Elle veut pas se joindre à moi, quelle horreur. Eh les gars, la voiture, je fais comment? Les gars, non mais partez pas tous. Ça, je crois qu'ils sont timides dans le coin. Attends, il y en a un planqué là-haut. Gnog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 n
Oh le massacre! Il y a un truc que je viens de remarquer, je sais pas si vous l'avez vu, faudra un replay. Voilà, ça fait élastique. Et quand je me bloque comme ça, vous avez vu, il y a une accélération pour. Merde, faudrait que j'arrive à le refaire. On l'a pas rêvé quoi. J'étais coincé là et. Il y a eu un phénomène d'accélération. Bon, bah, faudra un replay les gars. Mais j'ai pas rêvé, j'ai bien vu le truc, je l'ai remarqué. On a morflé, mais on y est arrivé. Ah, un nouveau tableau hein, qu'on découvre si on n'a pas accès à des nouvelles fonctions, ce serait chouette. En tout cas, c'est bien barré pour ce jeu parce qu'il fait totalement son job. On lui en demande pas plus, on lui en demande pas moins. Si, le plus qu'on lui demande, c'est ce que j'ai spécifié. Des coups un peu plus spéciaux. Et puis que les déplacements de la foule de zombies soient beaucoup plus organiques. Toujours bonjour à toi Patrick. Ils sont méchants quand même les gens sur le Discord. Bon ça c'est un private joke mais vous irez voir sur le Discord de Silence on joue. Faut que je lise un peu quand même. On peut pousser des trucs machin si on est assez nombreux. Et on les repère sur le sonar. Ok Dag Doc. On va essayer de pousser ça, voir si on est assez nombreux. On est assez nombreux, regardez. Pourquoi on l'a poussé? Parce qu'on est des cons de zombies. Ça sert à rien ce qu'on vient de faire, mais c'est la classe. Allez, on va bouffer des cerveaux. Madame. Hep. Oh. Dis tu. Ah, on voit qu'il court dans tous les sens hein, dès qu'il y a des zombies. Ah, toi tu y as pensé, mais vraiment très tard. Attention, non, pas les armes à feu, tu vas te blesser. Non, toi non plus, donne-moi ça. Cours pas, ça sert à rien. C'est ce qu'on dit de la résistance, tout ça. Alors, je sais pas ce qu'il nous prépare. Il y aurait un truc qui serait bien aussi, que j'ai pas encore vu dans le jeu, c'est que selon les personnes absorbées, en fait, que les capacités supplémentaires qu'on puisse choper dans le jeu, ça me semble évident, hein, que les capacités supplémentaires qu'on puisse choper dans le jeu, soit lié aux personnes qu'on absorbe. Si on chope des infirmières, on peut peut-être se heal un peu. Si on chope des mecs avec des armes, on peut choper leurs armes. Je pense qu'ils doivent être en train d'y songer. Et que bah c'est peut-être pas implémenté encore sur cette démo, c'est dommage. Parce qu'il y a quelque chose de rigolo à faire. Bon, après le rendu, cel shading, ça on aime, pas. Moi j'avoue que je m'en fous un peu, parce que c'est le gameplay qui me... qui éveille ma curiosité. C'est plus là-bas quand même. C'était la sortie, il était court ce niveau. Faut infecter le leader du camp. Ok. Yata. Donc aujourd'hui on va faire de l'infiltration. Avec des zombies en horde. Regardez-moi ça. J'y arrive trop bien. Je suis discret. Hop là, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Tu m'as pas vu non plus. Toi, tu m'as vu, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas. Oh, crunch. Miam. Ouh, miam, 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 miam. Ah, toi, t'avais mangé quoi? Il est où le blaireau qui tire, là? Il y a du people, là. Il y a du people. On va se la donner bien. Le leader arrive. Oui, mais il est protégé par son escorte. Ça va y est, je suis au royaume de... On est où d'ailleurs les gars? Faudrait qu'on prenne feu nous. Venez là, piti piti. Ça se bouge pas, ça c'est quand même un énorme caillou les gars. Tirer à la DCA, pourquoi faire? Inutile, viens avec nous toi. Join the party. Bon des fois il y en a, ils sont un peu cons, on va les laisser. Hein. Attends. Lui, il est en train de faire popo et voilà, il s'est fait choper bêtement quand même. Alors je rappelle aux humains et aux autres êtres vivants que c'est une très mauvaise idée d'aller aux toilettes quand il y a une invasion zombie quoi. Non mais cherchez pas, c'est un des endroits les plus risqués qui puisse exister. Hello! Ça boum, ça biche, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, nous on recrute, c'est tout. C'est un peu comme Jéhovah, ouais. Mais en plus rigolo quand même, regardez. Parce que une fois que vous êtes recruté, vous avez le droit de bouffer votre voisin. Ah ben ouais.
Alors un conseil, bouffez-vous pas entre zombies, vous êtes déjà périmé. Vous allez choper une courante, c'est tout ce que vous allez choper. D'où l'intérêt de bouffer des humains frais. Voilà, on n'en parle jamais assez des raisons de pourquoi il y a des zombies. Cassez-vous ! Vous avez vu cette autorité ? Ah, mais il faut se faire respecter un peu dans la life. Hop, 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 salut ! On peut pas jouer avec les barbelés, les balancer sur les autres. Ah, parce que ça me donne plein d'idées, là. Oh là là, oh là 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 ! Je ferais bien un catamari en barbelé avec du zombie à l'intérieur ! Quoi, c'est parfaitement dégueulasse ! Et alors, on est là pour ça, les gars. Salut, gros. Hop, donne ça. Ah non, moi, je ratiboise, hein. Je recrute. Hop, hop, hop. Oh, un catamari en zombie, sérieux, les gars ! Je veux un catamari en zombie. Ah, je... Faut que j'écrive aux développeurs. Ça va trop bien. C'est ça, file infecter ton pays, bolchevique. Ou pardon, ça m'a échappé. Oh là là, j'ai droit encore à un autre niveau. Ah mais on y va les gars. Non, voilà. Bon, en tout cas, cette préversion de The Coming était tout à fait extraordinaire, je le confirme. Le jeu est simple, le jeu est facile à comprendre et à maîtriser. Il sera pas forcément simple. Et du coup, c'est totalement réussi dans l'esprit des vieux jeux d'arcade comme on les aimait. The Coming, gardez un œil dessus, ça peut être très très drôle, au moins autant que Carrion s'ils vont jusqu'au bout du concept.